Et bonjour à tous, c'est Bernard et bienvenue sur ce nouvel épisode de Conan Exil. Et aujourd'hui, on va faire. On va monter en grade. On va tout simplement updater. Mon hôtel de Mitra. Alors, ça va prendre un certain temps, on va dire. Voilà. Ça va prendre un certain temps. Alors, en attendant, donc j'ai enfin eu mon charpentier. Voilà. Donc j'ai pour l'instant 4 PNJ à mon service, un charpentier, un cuisinier et deux guerriers. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est d'avoir des forgerons. C'est pour ça que j'ai pris ma massue. Donc là, je reprends un peu de ça. Et puis j'ai pris. Bon, je ne vais pas partir à l'humain vide. Hein. J'ai pris de l'extrait d'aloès. Comme ça que ça se dit. C'est ça qui permet de se régénérer sa vie. Avec un. Ah, bien sûr, il fait nuit, super. Parce que là, pour l'instant, j'ai ma roue qui tourne à vide. Donc, on va aller par là-bas, voir ce qu'il y a. Alors, là, je suis en train d'attirer un archer. Je vais regarder. Ouais. Ah. C'est une magie folle. Voilà, ça commence, c'est bon. Bon, niveau 1. Niveau 1, c'est long. C'est un peu dégueu. Mais c'est comme ça. Donc, pas niveau 1. On va regarder ce qu'on a d'autre. On va regarder ce qu'on a d'autre. Alors, je vais éliminer les trucs qui m'intéressent pas. Ça, je le garde. Ok. C'est reparti. Je cherche au moins niveau 2, niveau 3. Alors, peut-être que c'est pas là que je vais les trouver, mais on verra bien. Et j'aimerais surtout avoir un forgeron. Alors, qui va venir? Lui. Voilà, on va essayer de ne pas se prendre de flèches. Aïe. Facile à dire. Allez, viens. Viens. Bon, on va essayer de se... Non, tu ne pars pas. Oh merde! Il est mort. C'est direct un écarissage. Et voilà, ça m'intéresse absolument pas. Allez, suivant. Là j'en ai plusieurs. Là j'en ai vraiment plusieurs. Alors, 1, 2, oh putain, c'est pas mal. Pour l'instant, ça va. Lui, le marchand, j'en ai rien à cirer. Hop, alors ça par contre, c'est intéressant. Allez hop.
Zut. Allez, hop, on y va. Bon, et ben, j'ai pas trouvé mon forgeron, mais j'ai au moins ici un guerrier. On va voir ce qu'on va en faire. Il faut que je regarde, parce que là j'ai un camp aussi. Il faut que je regarde s'il n'y a pas des choses intéressantes dans ce camp. Bon, allez, on se reprend après. On se reprend, ça y est, c'est crafté. Oh, c'est beau, hein. Le temple de Mitra. Le nouveau temple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temple? Donc ça, toujours classique. Alors, est-ce que je peux le réparer du coup maintenant? Est-ce que je peux le réparer? Non, toujours pas. Ok, c'est pas grave, on en craftera un autre. Bré de Mitra. D'accord. Offrande à Mitra, ouais, mais ça, la chair et manipure, j'ai toujours pas. Ah, brique. Statue de rafraîchissement. Alors, il me faut quoi? J'ai dit de la brique. Ah, bon, on va laisser faire ça, tranquillos. Ouais, je vais poser tous mes trucs. Donc, ça, je garde bien précieusement. Orbe de graisse, puisqu'il va falloir casser des trucs, d'après ce que j'ai cru comprendre. Des briques. Est-ce que j'en ai? Là, c'est les briques aussi. J'en ai ici. Je vais mettre de la pierre. Si on avait mis de côté. J'ai déjà tout utilisé. Ouais, j'ai déjà tout utilisé. Bon, enfin, j'arrive à refermer. On n'arrête pas de fermer. Hein, sur. Voilà. Tac. Ah ben, allez. C'est parti. Petite statue de rafraîchissement. Cool. Donc moi j'ai mis mon bonhomme. Faut encore que j'aille poser ce genre de truc. Tac. Ça ouais, je vais le garder. Ça je vais le garder. Barre de fer et tout. Je vais y poser. Il reste quoi? Les barres de fer. Les barres de fer, on va les mettre là. Hop, pour faire les barres d'acier. Alors en même temps, on va prendre ce qui a déjà été fait ici. On va poser là. Voilà. Ici. Je vais prendre ça. Et bon voilà. Là, finalement le consolidant pour. Ouais mais c'est parce que j'ai pas. C'est parce que j'ai pas assez de. J'avais pas mis à dire. Non. Je vais aller regarder pendant que j'y suis. Ah, il faut que je mette du. Ouais. Du charbon ici. Est-ce que. Oui, c'est bon. J'avais été en chercher un paquet. Quand vous allez en expédition, n'hésitez pas, hein, prenez la dose. Hein. Parce que franchement, ça part tout à une vitesse impressionnante. Tac, on va changer. Voilà, et on va faire cuire le poisson. En fait, quand on fait cuire ce poisson-là, on obtient de licor. Allez, hop, un poisson cuit, un licor. Donc là, je vais en avoir 58. Tranquille. Du coup, je vais augmenter un peu ma quantité de nasses.
Parce que là j'en ai deux. Ah. Bien sûr. Il est là. Non. Voilà. Je vais augmenter ma quantité de masse. Parce que là, là j'en ai pris un et j'en ai une autre. J'en ai une autre à côté ici. Bon, j'étais les relever il n'y a pas longtemps. Hein, donc, et là, je me suis fait un truc pour les crabes. Pour l'instant, voilà. Je vais me faire d'autres nasses que je vais poser là. Comme ça, j'aurai un peu plus de poissons. En fait. Alors, les nasses. Elles sont. Là. Il me faut un branchage ficelle. No problemo. La bouffe, on va la mettre là. Les crocs ici. Alors j'ai des ficelles. Donc là. Il me semble que. Ouais. Ficelle et ça, et on va faire des nasses. Elles sont ici. 8. Moi, bon, je vais en faire 4, ça sera bien suffisant. 4, c'est bon, je ne pas non plus. Sinon, après, c'est casse-couille. Entretenir. Alors ça va, ça se... Ah mais attends, il faut peut-être que je mette en route. Je vais pas mettre en route. Voilà, en tout cas il a à manger. J'ai des nasses qui sont en train de se faire. Ah, c'est long aussi à faire ça. Il en a un filet, ça va. Allez, on va les déposer. Hop, contact insuffisant avec le sol. Alors la deuxième, c'est un peu long à crafter quand même ces machins. Hop. Troisième est en route. Bon, on va profiter, on va reprendre un peu de pierre. Donc, ça craft. Ok. C'est bientôt bon. Voilà, hop, bonne chose de faite. Voilà. Bon, puis on va retourner chercher notre prochaine esclave. Alors j'ai vu qu'il y avait une autre. Alors par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est les éveiller ceux qui sont là-bas. Un morceau. Voilà, il y en a un ici. C'est quoi toi? Deux. Ouais. Ok. Donc c'est niveau 2 ou niveau 3. Là j'en ai deux. Alors lui ça a un et un. Ok. Et il y en a un autre là. Lui c'est un quoi? C'est assez... Hein?
C'est assez gore comme truc quand même. Qu'est-ce qu'il a? Ah, ça, ça m'intéresse. On s'en fout ce qu'il a. Ouais. L'autre. Alors quand on tape avec. Quand on est de Mitra, quand on tape avec le. L'orbe, on obtient de l'essence persistante. Donc c'est ce qui permet de faire l'ambroisie qui nous permet de nous régénérer. Donc toujours intéressant. Alors j'étais parti. Ah oui, il faut que je regarde le coffre. Là, il y a toujours des choses aussi intéressantes. Lanière. Ça. Une flèche en fer. Ouais, ça m'intéresse pas. Hop. Je referme pour que ça. Qu'il régène. Allez, on va aller voir du coup. Les petits cocos là-bas. Quelque chose, il faudra que je remonte encore l'endurance. Dans un combat, c'est quand même bien utile. Alors, ils sont là-bas. J'ai quand même quelques campements autour de chez moi. Ah bon, on est accueilli. Ça va, ça fait plaisir. Aïe. Merde, j'ai plus de stam. J'ai plus de stam, j'ai plus de stam. Ils sont deux. Voilà, c'est bon. Il est où l'autre? Ici. Oh merde. Oh putain. Bon. Un combat à la fois, s'il vous plaît. Occupe-toi du croco. Mais t'as deux crocos sur toi, mon gars. Chez toi, voilà. Bon. On va s'occuper des crocos, du coup. Aïe. Voilà. Mais t'es niveau quoi, lui? On s'en fout. De toute façon, il est mort. Ça sert plus à grand-chose. On se demandait quel niveau il était. Non, je vais plutôt prendre ça. Allez, on va virer tout ça. Truc superflu. Ça on garde. Ouais, les crocs, on les laisse là comme ça. Allez, on va s'approcher du village. Oh, ah! Voilà, ça c'est fait. Et il n'a rien d'intéressant. Bon, on va quand même prendre l'essence. Voilà. Alors. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on attend? Ok. Aïe. Aïe. Niveau 2. Niveau 2. Niveau 2. Bon, j'avais que des combattants. Ah, c'est des adeptes de Yorg. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Ça, ça, et les flèches en fer. Ça, on vire. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais ça sert certainement à quelque chose, donc on y garde. Ok, allez, on va se reprendre une fiole de soin. Parce que ça régène bien, la fiole de soin. Ouais, c'est pas mal. Ok. Ah oui. De prendre des trucs sur le corps. Hop, on va se faire les autres là-bas que j'ai tués.
fait. Bah c'est tout, je crois. Ah non, il est encore là. Ok. Je suis jamais trop venu dans ce coin en fait. Bah oui, j'ai découvert ce village il n'y a pas longtemps. Alors ça. On, ça on peut y manger, on y fait cuire, on y mange, mais bon. J'ai suffisamment de viande par ailleurs. Pourquoi manger des cadavres? Question. Question personnelle quoi. Allez, du coup on va aller voir sur l'autre camp. C'est là-bas que j'avais trouvé mon cuisinier. Ah ouais, ce machin il nous attaque. On va l'éliminer avant qu'il attaque. C'est le mal, hein, donc voilà, il a un petit peu les nerfs quoi. C'est comme ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a de l'archer. Start running now and I won't have to kill you. Ouais. Là, il vient de me dire d'arrêter de courir sinon il va me tuer. Mais bon, j'ai pas vu venir celle-là. Alors. Ok. L'autre il est là-bas. Ouais, c'est ça. Là. Niveau 2. Ah merde. On va les éloigner du camp. Parce qu'en fait, on peut pas les toucher. Waouh. On peut pas les toucher quand ils sont. C'est bon. Alors j'ai pas. J'ai pas maintenant niveau 2. Et ça c'était je sais pas quoi. Pas intéressant. Non, je sens que là j'ai autour de chez moi j'ai que des niveau 2. Voilà. Ok, archer niveau 2. Merde. On s'éloigne. Temps de reprendre l'instam. C'est bon. Merde. Ok. Petit coup de régène. Et un petit coup de bouffe. Asma, ça doit être un cuisinier. J'en ai déjà un. C'est deux cuisiniers. Niveau. Oh, niveau 3. Ça m'intéresse. Niveau 3. Niveau 3. Hop. Ça va. Peut-être. Allez, j'en ai deux surtout. C'est ça. Chiant. J'en ai rien à foutre. J'en ai déjà un. Je vais pas regarder son niveau, mais.
Allez, bah écoutez, on le ramène et on se reprend après. Allez, notre petite statue. Enfin, la statue, c'est pas une statue, mais c'est la. La statue de rafraîchissement, vas-y, c'est pas une statue. On va la mettre là. Je sais pas du tout. Alors, c'est à quoi comme tête ça? Ouais. Cool. Est-ce qu'on peut pas la mettre à l'intérieur par hasard? Je sais pas trop où je pourrais la mettre, mais. Ici, non, là, c'est un peu encombré. Là, ça le fait pas trop non plus. Ah, je peux la mettre. Là, ici. C'est bien parce que ça, on peut y reprendre. Alors, si je mets la statue ici. C'est pas mal. Trop proche d'un autre objet du même type. Ah bon. Comment ça? Ah, parce que moi je l'aurais bien vu là. Trop proche d'un autre objet du même type. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça? Oula, c'est une. Du coup sympa. Ok. Bon bah du coup là, ouais là on boit. Du coup. On peut pas la reprendre par contre. J'aurais peut-être dû la mettre sur des dalles parce que là. Pour le coup, on voit. Oh, c'est pas gênant, ça fait comme s'il y avait une... un truc avec de l'herbe dedans, une sorte de fontaine, enfin pas de fontaine, mais de. Comment ça s'appelle? Une petite mare. Quelque chose comme ça. Bon, ben, ok. Je regarde où j'en suis à niveau. Ah, ça monte, hein. Ça monte. Alors, du coup, je vais mettre ça. Ouf. Ben, je vais les remettre là-bas. Je suis bête. Oui, je m'en vais. Allez, on va mettre paf le tapis. Comme ça. La chaise. Tac. Table basse. Voilà. Et là. Voilà, on est assis. Ok. Bon, on se reprend. J'ai juste assommé. Combattant du Nord, niveau 3. C'est pas de la tarte. Ce n'est pas de la tarte. Allez, on l'emmène à la maison. C'est parti. Puis il faudra que je répare mon armure parce que là, du coup, j'ai mon casque qui a cassé. Donc, il faudra que je répare. Allez, on se retrouve à la maison. Ah, c'est là où je suis mort. Le combattant était vraiment. C'était un combattant cimérien niveau 3 et il m'a tué. J'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé. Bon, là on va longer. J'ai pas envie de me les taper maintenant. Ah merde, non, c'est pas grave en cours. C'est quand on approche de la maison, quand il y a plein de trucs qui sont en train de se crafter en fait. Hop, bien sûr c'est la nuit. Voilà, comme un temps
Niveau 3, niveau 2, niveau 3. Bon, pour l'instant, j'ai que des combattants, ça m'embête un peu. Donc, on va vraiment se focaliser sur. Du coup, les combattants, c'est bon, j'en ai assez là, ouais, ça va. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Et on va vraiment se focaliser sur. Sur les PNJ utiles, entre guillemets. Genre forgeron. Bon, charpentier, j'en ai déjà un. Alors, est-ce que je peux remplir la gourde aussi là? On l'a déjà rempli, mais. Ok,